Salut, salut, bienvenue dans ce nouvel épisode d'Another Homepage, j'espère que vous allez bien. Je suis Nils et aujourd'hui, un épisode un peu particulier parce que ça va être en mode un peu bidouille matérielle. L'idée du stream d'aujourd'hui, c'est de démonter une machine qui fait un peu trop de bruit et qui chauffe peut-être un peu, pas tant que ça j'ai l'impression, mais on va voir, et de faire en sorte qu'elle fasse moins de bruit, qu'elle chauffe moins, pour un petit projet que j'ai. Voilà, voilou. Salut à toi FCLab, j'espère que tu as passé un bon week-end et j'espère que tu vas bien. Alors oui, du coup, l'angle de vue est un peu différent. Je suis un petit peu décalé. Hop, on se met peut-être un petit peu là comme ça pour que je sois à peu près en face de la caméra. Salut à toi Sundays, j'espère que tu vas bien, que tu as passé toi aussi un bon week-end. Avant de démarrer, juste un petit mot pour vous remercier toutes et tous, et au passage Topclean qui était en stream jusqu'à il y a quelques minutes, qui m'a fait un petit message de soutien adorable. Donc merci à lui et aux followers qui nous ont rejoints juste avant le début du stream. C'est ça, voilà, après 3 heures de Topclean, qui a franchement 3 heures de script shell, je comprends que ça fatigue et qu'il soit parti avant que je démarre. En tout cas, ce qui est assez amusant, c'est que juste avant les quelques follow probablement de personnes qui venaient de chez Topclean, on a atteint les 777 followers sur Twitch. Et je trouve ça très drôle parce que pour celles et ceux qui ne connaissent pas la référence, c'est que en fait 777, c'est sous Unix, quand on modifie les droits d'un fichier, ça veut dire que tout le monde a droit en lecture, en écriture et en modification au fichier ou au répertoire. Donc ça fait un peu façon open bar. Vous êtes toutes et tous, bien entendu, les bienvenus dans la communauté et bien au-delà des 777 et maintenant 779 qui nous follow. Exactement, voilà, RWX, RWX, RWX. Salut à toi, Rogue One, merci. Ah oui, 4 heures, punaise. Et salut à toi aussi, à Xavier. Bienvenue, j'espère que vous avez passé un bon week-end et une bonne journée. Donc, l'idée ce soir, ça va être s'amuser un petit peu avec un mini PC que je vais vous montrer dans un instant. Je voudrais juste d'abord, hop, parce que j'entends des bips et je vais passer, voilà, ça en mode chute, histoire que vous n'ayez pas d'ailleurs non plus les bips aussi dans le stream. J'espère que niveau son ça va, que vous m'entendez bien, parce que le micro va être légèrement éloigné. Hop, voilà. Donc rentrons dans le vif du sujet. Qu'est-ce qu'on va bidouiller comme machine? Alors, on va changer de caméra et on va passer comme ça. Coucou, voilà. Alors, du coup, je vais me décaler un petit peu. Hop, comme ça va pas être forcément évident. Hop, on range la souris, on va se mettre là. La caméra, je veux bien que tu fasses le point. Fais le point. Hop, regarde ma main. Allez. Hop, voilà. Hop. Non, mais il n'y a pas de souci, Rogue One, il n'y a pas de souci. C'est très gentil à toi pour le follow sur Discord. Bienvenue sur le serveur, bienvenue dans notre sympathique communauté. Donc, qu'est-ce que c'est que cette machine? C'est une vieille bécane. Honnêtement, je dois l'avoir depuis quelque chose comme 2009 ou 2010. Je l'avais acheté d'occasion à un pote. C'est une machine qui est encore en DDR2, hein, c'est pour vous dire. Et en fait, j'ai comme idée, vu qu'elle consomme pas beaucoup, je pense, cette machine, je ferai sans doute des tests de conso aussi. L'idée, c'est que je fasse en sorte qu'elle fasse le moins de bruit possible et qu'elle dégage le moins de chaleur possible pour en faire un petit serveur de sauvegarde. Et potentiellement, peut-être d'autres trucs, mais l'idée, c'est que ça se fasse en mode basse conso. Voilà, voilà. Alors, je vais d'abord débrancher par ici. Quoique. Si, peut-être, je vais d'abord vous montrer un peu l'étendue des dégâts. Je vais vous montrer l'étendue des dégâts. Donc, la machine est elle est alimentée. J'ai un câble réseau au cas où, j'ai un clavier dans le coin, et là, c'est l'écran qui, je l'espère, s'affichera à un moment dans le stream. Donc ce que je vais faire, c'est que
Je vais l'allumer ici. Et vous allez entendre l'étendue des dégâts puisque le micro est pas loin en plus. Vous me direz hein, si c'est vraiment casse-pied, si vous l'entendez. Moi déjà je l'entends. Et ce que je vais faire, c'est que je vais switcher de vue. Hop, en espérant... Ah, si, on a un petit truc. Voilà. Ah tiens, c'est dommage, on n'a pas eu le... On n'aura pas eu le... Je vais peut-être me connecter en SSH à la box et tenter de la rebooter pour qu'on voit ensuite. Parce que normalement, elle est censée pouvoir afficher... Je passe par une carte de capture, donc normalement, ça devrait être bon. Ça devrait pouvoir vous afficher tous les trucs. Hop. Alors, elle a fini de booter. Alors, je crois que c'est pas ultra lisible sur le... Et si je me connecte... Et que je fais un petit sudo reboot. Voilà. Et alors, roulement de tambour. Est-ce qu'elle va m'afficher un truc? Bon, je vais tenter d'aller dans le BIOS. Ah, voilà. Mais non, mais je voulais aller dans le BIOS. Hein. Ah, la vilaine. La vilaine machine. Déjà, elle commence à m'embêter. Alors que le stream a à peine commencé. Allez, c'est reparti pour un tour. Parce que je voudrais quand même vous montrer un peu. Niveau son, ça va? Vous entendez la machine tourner ou pas? Vous entendez le ventilateur? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Hein. Hop. Alors. Ah oui, ça s'entend. C'est franchement casse-pied ou... Hop là, allez. Allez, c'est reparti pour un tour. Et normalement, c'est bien branché. On entend un petit, mais ça passe. Ok, merci Studio Cyanotype. Et Syllab qui dit non, ça ronronne. Allez. Supr. Oui, entering setup. Voilà. Bien, alors, je descends, tac, ici, et donc le truc est censé dire genre, au fait, le truc est en ultra low speed. Salut à toi Cool Geek, bienvenue. Le truc est censé être en ultra low speed, très supportable de ton côté, sac à poil. Bah d'ailleurs, bonsoir à toi, heureusement, bah, alors c'est supportable, ouais, mais moi je voudrais que ce soit encore plus bas. Donc, on va voir ce que ça donne. Keyboard not found, presque. Pas mal, belle blague, Cool Geek, j'aime beaucoup. Donc, la machine, en théorie, a trois connecteurs de ventilateurs. Il se trouve qu'il n'y en a qu'un de branché, et je pense que un va suffire. Et on peut voir que voilà, le CPU est dans les 50 degrés, que le système est dans les 46, même 53 pour le CPU, et que le ventilateur turbine a plus de 5500 tours. Donc, ce que je veux, c'est changer le ventilateur, voir si ça améliore en termes de bruit, de deux, ça améliore en termes de température, et si jamais c'est pas le cas, on passera un cran au-dessus, et ce sera remplacement de pâte thermique. Alors non, F-Syllab, j'ai pas de quoi mesurer les dB. Je pense que ça va être vous la mesure dB, en fait. Oui, petit coup de balai, peut-être qu'on fera, on essaiera peut-être de dépoussiérer un peu s'il y a quelque chose, j'essaierai à voir. Soit je vais chercher à droite à gauche mon truc de via une appli sur le tel. Ah. Alors, si tu as une application iOS à me recommander, je suis pas contre. Pendant ce temps, hop, je voudrais vous montrer un petit peu de quoi il s'agit comme machine. Hop. Non, c'est pas ici. Là, on a quoi? CPU feature, ouais, mais là, on n'a pas. En gros, ce que je vais faire, c'est carrément plutôt me connecter en SSH pour vous montrer. Ah oui, mais non, je suis dans le BIOS. Il n'y a pas de SSH sur le BIOS. mais en gros, il s'agit d'une... Alors, en termes de modèle, c'est un Shuttle X27D, si je me rappelle bien. Il y a dedans un Atom 330.
et il y a 2 Go de RAM en DDR2. Non, je n'ai pas. Je sais que c'est un vrai OS. Enfin bref, toujours est-il que. Hop, on va pouvoir. On va faire un exit without saving. Yes, voilà. Je vais peut-être du coup. Ouais, je vais quand même laisser la machine démarrer. Voilà. Intel Atom 330, 2 Go de RAM, dont 8 mégas occupés par. Par la mémoire partagée pour la puce vidéo intégrée. Et donc, quand ça aura fini de démarrer. Hop. Je pense qu'un dépoussiérage et refaire la pâte thermique le rendra plus silencieux et remplacer le ventilateur si tu veux plus. Bah, de toute façon, j'ai déjà le ventilateur. Et j'ai aussi la pâte thermique. Donc, y a de fortes chances qu'on fasse la totale. Hop. Et maintenant que je suis connecté, petit Emux, et on va switcher à nouveau de vue. Donc là, je suis sur la machine en question. Et on peut faire un petit htop. On verra pas bien si je fais un petit S-T8. Est-ce qu'on verra mieux ? Non, on verra. Ah, si, un peu. Alors, on peut voir. C'est assez marrant. Là, on est à 39,26. Oh, c'est déjà pas mal, ça. Mais si je fais un sensors. Bon, elle commence quand même à. Ça commence à se sentir. Sonomètre dans l'Apple Store. Hop. Tiens, on va aller faire ça. Sonomètre. Ah oui, est-ce que je l'ai installé BPY Top? Hop. Donc je suis sur une Alpine Linux. Hein. Je vais vous expliquer un peu ce qu'il y a dans la machine après. APK add. Alors est-ce que j'ai BPY Top? Sinon il y aura peut-être autre chose. Non. Je crois qu'il y avait. C'était Bash Top avant, non? Bash Top il l'a pas non plus. Tant pis. Hop. Mais avec les sensors directement, ils n'avaient pas créé un truc, parce que je crois que le développeur, il avait commencé en bash, donc il avait fait bash top. Ensuite, il s'est mis à Python, il a fait BPY top qui est en Python, et je crois qu'il avait tenté, de créer un truc en C. Je crois que c'était C top, et C top n'existe pas non plus. Ah, B top. Alors, B top, ou B top plus, allons-y. J'ai du mal à suivre avec votre truc. Ah, bah voilà, B top. Ouais. Alors, est-ce qu'il m'affiche la température? Ouais, il me l'affiche. Alors, vous verrez pas le premier. Si vous avez pas la vue globale du CPU. Mais là, c'est étonnant. Je suis qu'à même pas 40 degrés. Bon, la machine load pas en même temps. Hein. Elle est un peu idle. Pendant ce temps, moi, je vais récupérer. On a dit sonomètre. Hop. Sonomètre. Hop là. Obtenir achat intégré. Ouais, bah de toute façon, c'est toutes des applis avec achat intégré, donc on va voir ce que ça donne. Hop là. Alors, c'est en cours d'installation. Donc pendant ce temps, donc j'ai la température parce que j'ai configuré le truc avec avec les senseurs, vu que j'ai mis sensors LM sensors. Et par contre, LM Sensors ne me donne pas la vitesse des ventilateurs. Par contre, ce qui est intéressant à voir... français, s'il te plaît. Thème sombre. Ah, c'est un essai de 3 jours. Ouais, bon, ça suffira. Allez. Ah non, mais il veut carrément me faire payer tout de suite? Non, 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 je veux pas. Bah ouais, non, non, mais... Tant pis. Ne pas autoriser. Ah bah si, si, il faut que je l'autorise. Ah, flûte. Open settings. Et oui, accéder au micro. Voilà. Alors, là on... Oula.
Alors, si je pose au rebord de mon bureau, je suis à 50 décibels. Voilà. Et si je le mets à peu près au niveau du micro, je suis plutôt 40. Ok. Donc voilà, ça donne un peu une idée de là où on en est. Petit truc aussi, ce que je pourrais peut-être tenter aussi pour encore abaisser la température et éventuellement la vitesse des ventilateurs, ce sera peut-être baisser la fréquence. J'avais fait des premiers essais où ça ne changeait rien parce qu'on va voir le ventilateur, il est pas. Le ventilateur d'origine, il est pas ouf. Et du coup, ça changeait rien sur la ventilation. Mais je peux descendre à 800 MHz. Sonomètre a besoin d'accéder à vos contacts, votre bibliothèque photo. Merci de saisir votre compte pétard. C'est un peu ça, sac à poil. Le truc était cash en train de me faire le pop-up d'achat de l'App Store. Hein. Donc il risquait pas de. Quand j'ai vu ça, j'ai fait hop, non, surtout pas. Alors. Donc, je vais éteindre la machine. Hop, allez. Voilà. Et on va revenir sur la vue caméra. Voilà. Ça fait du bien quand ça s'arrête. Alors, on va commencer par débrancher ici. Ensuite, on va débrancher le clavier. Hop, voilà. Allez, hop. Clavier, ça c'est bon. La partie hop, réseau et l'alimentation. Voilà. Ensuite, très agréable le bruit du clavier. Bah merci. Alors le clavier devant ou le clavier tout à l'heure quand j'étais sur le BIOS? Parce que c'est pas les mêmes. Hein. Hop. Allons-y. Donc. Hop. Alors. Oui, c'est vrai que je vous ai pas montré un peu au niveau des... voilà. Alors, c'est une ancienne machine. Hein. Elle a encore des ports PS2. Celui des commandes SSH? Ok, c'est un clavier mécanique. C'est un AN Pro 2, si jamais tu connais. Donc, on a des ports USB. On a surtout un port RJ45Go. Un DVI, un VGA. Alors, du coup, moi, ce que je fais, c'est que je convertis le DVI... Hop, vers de l'HDMI pour pouvoir prendre sur la carte de capture. Le port série, pour l'instant, je m'en sers pas. Il y avait peut-être potentiellement une option pour deuxième port série, deuxième port RJ, mais je pense que c'est plus ça doit être autre chose. Alors, ouais, RS232, tout à fait. Hop, on enlève donc la machine. Hop. Tiens, je vais enlever ça. Ça, c'était le câble. Oui, je l'ai laissé, j'aurais peut-être pas dû. Ça, c'est le câble. Hop, je vous montre là. C'est le câble qui permet de pouvoir mettre un lecteur optique. On peut mettre un lecteur optique d'ordinateur portable. C'est fait pour aller justement ici, à la place du deuxième disque dur. Mais ce que j'ai préféré, moi, c'est mettre deux disques durs. Voilà. Donc, on va débrancher... On va débrancher ça, histoire qu'on soit tranquille. Voilà, là j'ai quoi? Donc forcément, pour pas comme... Hop, j'avais mis un adaptateur Serialata, et j'avais mis un petit câble Serialata à moi. Mais ce que je vais faire, c'est que celui-ci, hop, il est là. Tu pensais à de l'IDE, mais il y a de l'IDE aussi. Tu vois là le connecteur jaune, c'est de l'IDE. Mais non, je dirais même l'atome 330, c'est du SATA 2. Hop, 2. Donc ça veut dire que c'est du SATA 3 gigabits seconde. Et aujourd'hui, on est en SATA 3 à 6 gigabits seconde. Donc, où en sommes-nous? Alors, ça, hop, je me fais un peu de place. Je me fais un peu de place aussi, je vais enlever la barrette de RAM. J'ai toujours trouvé dommage que cette plateforme soit limitée à 2 gigaoctets de mémoire vive. Mais bon, pour ce que j'ai besoin de faire, ça devrait suffire.
Alors donc, autre petite ajout que j'avais fait. Vous remarquerez que là, par exemple, ce connecteur-là n'est pas branché. C'est le connecteur des ports USB de façade. Parce que je ne vous ai pas montré la façade. Hop, mais la façade, elle est assez sympa. Donc ici, la partie lecteur optique que du coup je n'utilise pas. Et là, hop, on a deux ports USB qui du coup ne sont pas branchés. Et les prises jack pour le micro et le casque. Et donc, ce que j'ai fait, j'avais récupéré un petit module qui est ce qu'on appelle donc un module DOM, Discon module, qui se met sur le connecteur USB interne. Et donc, c'est un petit module de 2 gigaoctets. Et c'est là-dessus que j'ai installé la petite Alpine que j'ai bootée à l'instant. Et donc ça tient sur 2 gigas. On a donc la pile de BIOS, mais surtout le petit ventilateur. Et on peut voir, alors je vais remonter un peu, comme ça on va mieux voir. Hop. Si je penche ici, je pense qu'on verra mieux. Vous remarquerez que le connecteur du ventilateur est un connecteur 3 broches, alors que le connecteur sur la carte mère a 4 broches. Ce qui fait qu'en fait le ventilateur, lui, il tourne à fond de balle tout le temps. Et on a deux autres connecteurs 4 broches ici. Au besoin. Pour l'anecdote, ici, ce n'est pas le processeur, c'est le chipset Intel 945. Le processeur, il est ici. Le chipset chauffe plus que le CPU. Je trouve ça toujours très drôle, en tout cas sur cette plateforme. Ouais, il est très petit, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, tiens, qu'est-ce que... C'est moi qui avais mis ça comme ça. Hop, ça passe. Ouais, bon, on verra après. De toute façon, je vais le dé. Mais je crois qu'en plus, je l'avais déjà changé une première fois. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que j'arrive à l'enlever? Est-ce que j'arrive à l'enlever avec un petit tournevis sans. Ouais, vous savez quoi? Je vais enlever la carte mère. Je vais enlever la carte mère. Je pense que ce sera plus sage. Je vais carrément la retirer du truc sera plus pratique. Donc on va commencer par dégager ce connecteur d'alimentation. Allez, viens par là. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, il y a celui-ci qui est la partie. Je me demande si c'est pas la partie sonore ou c'est. Ah non, c'est de l'USB, hein? Ah, du coup, j'ai peut-être. Ah non, c'est pas un USB, ça doit être les. Ça doit être le. Mince, c'est le panneau devant, c'est le bouton d'alimentation. Le bouton et la diode d'alimentation. Donc, oui, la partie son, elle est là. Hop, elle est en bas. Allez, viens voir par là. Truc marrant, alors, juste à côté de la partie son, je vais remonter un peu pour que vous voyez mieux. Il y a encore ça, là. Le petit connecteur à 4 broches. Je sais pas si certains ou certaines d'entre vous, les gens qui ont fait des PC il y a longtemps, si ce connecteur-là vous rappelle quelque chose. Mais c'est un connecteur qui se branchait sur les lecteurs CD-ROM. Donc là, a priori, c'est bon. A priori, c'est bon. J'ai plus qu'à chercher les tournevis. Alors, niveau tournevis, est-ce que j'ai quelque chose qui va être assez gros? Hein, ça peut le faire. Ça peut le faire. Allez. Alors. Alors, est-ce qu'il ne va pas falloir que je me mette dans ce sens-là? C'est dingue ça, je l'ai jamais. Ah, j'avais dû réussir à le faire sans. Non, je pense que celui-là est trop petit. Je
pense que je vais prendre un tournevis un peu plus gros. Les CD-ROM que tu as branchés étaient en IDE puis SATA. Oui, Rogue One, il y avait de l'IDE, mais tu avais aussi un connecteur supplémentaire pour avoir de l'audio analogique. Alors. Est-ce que ça passerait? Ouais, ça passerait. Alors. Ouais, ça passe. Hop, en voilà un. Ah, tiens, je. Oh, punaise. Je. Normalement, vu la taille des vis, je devrais pas avoir trop de soucis. Mais idéalement, j'aurais aimé les mettre sur un endroit spécial. Alors, est-ce qu'on va pouvoir sortir? Oui, ça sort. Voilà. Donc, je crois qu'on est à peu près au format ITX. Hein. Je vais peut-être utiliser hop, un tournevis. Un autre tournevis du coup. Celui-ci. Hop. Alors. Ouais, je pense que j'avais dû réussir à trouver un petit tournevis pour le visser facilement depuis le boîtier. Parce que. Dégage. Hop là. Parce que le. Parce que celles du bas, elles se dévissent assez facilement. Sur certains lecteurs, tu pouvais lire les CD audio directement depuis le lecteur physique sans passer par le CD. Oui, depuis. Oui, effectivement. C'est exactement ça, Cool Geek. Idéalement, ce serait de pouvoir mettre un ventilateur entre les deux dissipateurs, ça ferait un flux traversant. J'ai envie de croire que, vu la vitesse du ventilateur actuel, ça devait aller. Mais on pourra toujours envisager de le faire en se procurant un autre ventilateur, je pense. Hop. Alors maintenant, la question, c'est est-ce que. Hop. Ouais, c'est ça. Je l'avais déjà changé, en fait. Je l'avais déjà changé, ce ventilateur-là. Alors, qu'ai-je fait de... Hop. Donc, l'idée, ça va être d'essayer de mettre ça. Alors, c'est peut-être un peu trop luxueux pour ce type de machine et son âge. Mais, si ça marche, tant mieux, hein. Donc c'est un Noctua NF A4 X20. Alors il existe un X10 aussi. Mais je me suis dit, on va tenter le X20. On verra bien ce que ça donne. Ça va aller là pour l'instant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'intéressant dans la boîte? Alors. On a le ventilateur qui déjà est beaucoup plus épais. Alors la question c'est, est-ce que ça passe? Ouais, ça passe. Hey, merci beaucoup, beaucoup pour le follow. Hop là. Alors, merci. Idan Boitbol. Merci à toi. Merci à toi. J'ai pas l'habitude. D'habitude, je regarde là. Mais bon. Alors, j'ai aussi a priori. Ouais, alors ça, par contre. Je sais pas si ça se tente. Je pense que je vais vouloir essayer d'abord les flûtes. Les vis, en fait, d'abord. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a un adaptateur exprès. Low Noise Adapter. Bon, on verra après. Peut-être qu'on n'en aura pas besoin. Ça, c'est un câble Y pour pouvoir mettre deux ventilateurs, mais ça, pas besoin, a priori. Et celui-ci...
Ah, ça, c'est juste une rallonge. D'accord. Et là, on a... OmniJoin adapter set. Ah, d'accord, c'est si jamais, on a un truc avec un connecteur bizarre, il file déjà l'outillage pour éviter de sectionner notre câble. Donc, ils ont un petit adaptateur. Je peux peut-être vous le montrer plutôt ici. Voilà, donc il y a un petit adaptateur avec juste deux câbles nus et de quoi les relier. Donc c'est assez cool, ça évite de casser, enfin ça évite de couper en fait le câble existant du ventilateur et quelque part bah, de faire sauter la garantie. Donc c'est assez futé, j'aime beaucoup le principe. Alors ça, si ça peut aller ailleurs. Voilà. Est-ce qu'il y aura assez de... Non, ce sera, pas assez, sera pas assez profond. Je pense que je vais réutiliser les... Non plus. Ok, je pensais pas à ce genre de problématique-là, pour être honnête. Parce qu'on a quand même... Voilà, pour vous donner un petit peu l'exemple. Voilà, la petite différence d'épaisseur quand même, hein. Donc, comment est-ce que on va le mettre? Comment est-ce que je vais réussir à le placer? Peut-être falloir que j'utilise les... Peut-être falloir que j'utilise ça, en fait. Hein. Je sais pas du tout comment ça se met en place. C'est quoi? Faut que je... Ou alors c'est... Ouais, non, pas comme ça. Il n'y aurait pas un mode d'emploi. Hop. Si, il y a un mode d'emploi. Alors. Ah, bah parfait. Alors. Ils disent qu'en fait... Ah, faut couper après ? Faut couper ? Non. Donc si on remplace un... Alors... Ah, il vaut mieux utiliser les, ouais, les vis utilisées pour le truc d'origine. Alors, est-ce que par hasard on pourrait... Non. Non, elles sont pas, assez, elles sont pas assez longues. Ah d'accord, on peut, ah, en fait ça c'est quand on l'utilise dans un ventilateur de boîtier. Donc j'aurais pu en fait utiliser si genre je l'avais, alors si j'avais eu de la place, j'aurais pu le mettre là par exemple, ou si j'avais eu assez d'épaisseur, j'aurais pu le mettre là. Et donc a priori le principe ce serait plus de les Ah mais du coup j'ai pas de... Parce que là ça... Ouais. Donc c'est pas ça que je vais utiliser finalement. Je pensais pas que je me retrouverais embêté avec ça en fait. Avec ces histoires de... Oh quoique est-ce que... Ouais non parce que ça va juste aller au bout en fait. Ça va juste aller au bout là. Et ça... Ou alors, je le mets comme ça, et ensuite je le... Ouais, non, ça va pas le faire non plus. Donc en gros, faudrait que je trouve le moyen de les de le placer, ou alors que j'ai des vis, ou alors si j'avais des vis. Ouais, non, ça passe pas. Et celles-ci, elles ont l'air quand même assez épaisses. Ah, il y a peut-être moyen qu'elles rentrent comme ça. Donc ce sera peut-être effectivement les vis fournies. Allez. Non, je vais les mettre à côté dans la boîte en plastique pour pas les perdre. Voilà, comme ça, elles sont là dans la boîte en plastique. Et ce que je pourrais peut-être essayer de faire... Ouais, non, non, c'est bizarre cette affaire. Pourquoi ça...
Ça commence bien. Ça commence bien. Est-ce qu'on va s'en sortir? Je suis à deux doigts de vouloir faire un truc ghetto à base de scotch, hein, là. Ou alors d'essayer de voir si j'ai pas des vis plus longues. Qui seraient plus de ce format-là. On remarque celles-ci, elles vont pas bouger beaucoup. Dans quel est le sens du flux d'air? Le flux d'air, idéalement, il doit passer comme ça. Il doit passer comme ça. Là, clairement, je peux pas le mettre de ce côté-là parce que ça va être trop épais. Et je peux pas le mettre à l'arrière ici. J'ai pas la place non plus. Donc en fait, c'est devant ou nulle part. Tiens, d'ailleurs, il y a un petit peu de... Hop, voilà. Ben voilà. Déjà, il y a un petit peu d'air, enfin un petit peu de poussière en moins. Alors. C'est bête parce qu'en fait, à peu de choses près, la vis, elle aurait pu passer. Et donc, j'aurais pu tenter de venir comme ça. J'aurais pu venir faire comme ça pour visser la vis. Des petits colliers en nylon. C'est effectivement une idée. C'est effectivement une idée. Je sais pas si j'en ai. Ou alors ça. Mais ça va faire moche, hein. C'est pas... Je suis pas sûr que ça tienne, en fait. Non, ça va vraiment être ghetto, hein. Un HB, honteux bricolage. à défaut de faire mieux, on fait au moins pire. Oui, effectivement, effectivement. Ah oui, c'est vrai que du coup, je suis passé par le... Ouais, ça a pas l'air ouf. Parce qu'effectivement, en fait, les vis venaient carrément se mettre dans le... Il n'y a pas moyen que je force un petit peu, peut-être? Je suis limite à deux doigts de vouloir scier un peu le... Ah, si, ça y est, c'est rentré. D'accord, faut forcer un petit peu. Allez, on va en faire un deuxième. Parce que ça, pour moi, c'est un peu le... Ouais, ça passe, allez. Voilà, faut forcer un petit peu en fait. Ça sera pas si ghetto que ça finalement. Je me sens tout de suite beaucoup plus rassuré. Voilà. Alors. Et ce que je vais faire, c'est... Est-ce que... Non, là j'ai pas la place, mais on va le laisser comme ça. Hop, voilà. On va venir comme ça. On va espérer que j'ai assez de... Que j'ai assez de place. Hey, merci beaucoup pour le follow Biosis Ultra. Merci à toi, c'est très gentil. Alors, à quoi se sert... Alors, déjà, salut Negative IQ Viewer. Bonsoir à toi. À quoi il va se servir ce mini PC? Alors, idéalement, ce que j'aimerais qu'il fasse, c'est qu'il me permette de...
de ne pas allumer mon NAS à certains moments pour pouvoir faire des sauvegardes. Hop. Ça, c'est le comment dire, c'est idéalement, j'aimerais qu'il fasse ça. Pour le moment, il dort dans son carton et c'est un peu dommage. Même si en termes de puissance, je sais que je peux faire des VM qui seront beaucoup plus puissantes. Mais l'idée, c'est d'avoir une machine que je peux éventuellement placer quelque part chez moi ou d'ailleurs chez un proche. Hein. Et qui n'aura pas de. Je vais peut-être prendre un plus gros. Hop. Hop. Alors. Allez. C'est reparti. Oh. Bon, ça a l'air de tenir. Je vais pas aller jusqu'au bout parce que je voudrais pouvoir le redévisser après. Ça a l'air de tenir et on va pouvoir remettre à sa place. Et là déjà, la grande nouveauté, c'est que j'ai 4 broches sur le connecteur. Et ça, c'est chouette. Donc déjà, première étape, ça c'est fait, on va voir ce que ça donne, on va remonter la machine. On va voir si déjà, rien que ça, ça aide. Alors, t'as réussi à sortir. Maintenant... Est-ce que ça va rentrer? Si, je cogne pas tout. Hop, voilà. Alors, pour le principe, hein, je vais quand même remettre au moins 2 vis. Parce que ce serait dommage que la machine bouge et fasse des vibrations et fasse du bruit, de fait. Alors, du coup, si tu remontes le ventilo, tu comptes pas faire la pâte thermique. Alors, sac à poil, en fait, on va y aller progressivement. Donc, je vais sans doute retirer et remettre la machine plusieurs fois, en fait. C'est pour ça que, d'ailleurs, je vais mettre sans doute que deux... Alors, attends, est-ce que ça tient? Ouais, ça tient. C'est juste pour pouvoir voir la progression, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que je vais mettre que 2 vis sur les 4 de la carte mère. Voilà. Ça c'est bon. On va remettre la barrette de RAM. L'alimentation. Le connecteur de front panel. Voilà. Hop. L'alimentation. Voilà. La barrette de RAM. Mais oui, la pâte thermique, t'inquiète, c'est prévu, hein, sac à poil. C'est juste pour voir si déjà, rien que ça, ça va aider. Bah, l'USB, on le mettra pas. L'HD audio, on va quand même le mettre pour le principe. Même si l'idée, c'est quand même que la machine ne fasse pas de bruit. Tiens, d'ailleurs, il est passé où le... Hop ! Lui, là. Parce que sinon on n'aura pas d'OS, ce sera dommage. Hop. Je vais pas rebrancher tout de suite les disques Serial ATA. On va rester juste comme ça. Hop. On va voir déjà dans un premier temps si on gagne quelque chose avec juste le ventilateur. Alors, hop, la machine est là. On va mettre le clavier.
Hop, on va mettre l'écran. Si on le mettait dans le bon sens, ce serait mieux. Voilà. Et ensuite, c'est là où ça devient tendu, c'est l'alimentation. Voilà. Hop. Bon, bah, il n'y a plus qu'un, hein. On va switcher de vue. Voilà. La capture, ah oui, elle est restée. La capture est restée sur le. Merci beaucoup pour le follow, notre bolet. Merci à toi. Est-ce que j'aurais pas oublié un truc? Là, la machine, elle démarre pas. Est-ce que j'aurais flingué ma machine? Alors, je vais débrancher l'alimentation. Ah si, je crois que je l'avais. Je crois qu'elle démarrait. Salut à toi, Fixoulab. Je crois qu'en fait, elle démarrait. Alors, du coup, je vais la démarrer comme ça. Si, si, le ventilateur tourne. Le ventilateur tourne. C'est fantastique. Ou pas. Ah, si, ça y est. Alors. Alors, du coup, pour le moment, j'ai pas de vue. Elle ne bip pas. Si je mets le réseau, est-ce que... J'ai des diodes sur le réseau, c'est plutôt bon signe. Elle est tellement silencieuse que je l'entends pas. Non mais c'est... Et puis comme a priori au niveau du stream, la vue que vous avez là... Là, la vue que vous avez là, elle s'est pas mise à jour. Pour le moment, c'est pas encore tout à fait ça. Oh ça va, ça chauffe, enfin ça chauffe pas là. Bon, je vais tenter un ping. Hop. C'est jamais. Salut à toi, cher Connet. Alors, je vais juste switcher un instant à nouveau sur cette caméra-là. Et revenir ici en espérant que ça se soit rafraîchi, mais j'ai pas l'impression. J'ai toujours pas de ping pour le moment. Alors, je suis un peu en train d'hésiter. Hein. Alors, je vais peut-être remettre ici à ce niveau-là pour le moment, histoire que vous ayez un truc à regarder quand même. Donc. Le ventilateur tourne, ça c'est sûr. La machine ne répond toujours pas au ping. Et comme j'ai pas de vue... Merci, cher Connet. Oh, tu sais, c'est une machine assez ancienne. Hein. C'est un Atom 330 dedans. Hein. Et c'est de la DDR2. Alors, je suis tenté de vouloir faire un truc, mais vous ne verrez sans doute rien de plus. Ce serait d'aller brancher la partie HDMI sur un autre écran. Enfin, sur un de mes écrans, justement. Pour voir s'il y a quelque chose qui s'affiche. À moins que je puisse utiliser... Est-ce que je peux tenter avec Cheese? Parce que je l'avais tenté l'autre fois. Hop. Parce que j'ai toujours pas de... toujours pas de vue. Est-ce qu'au moins la diode... Non, il y a une diode normalement ici.
Est-ce que le BIOS ne t'empêche pas de boot sans HDD? Ah, peut-être, effectivement. Peut-être que c'est ça. On va rebrancher les disques durs, on verra bien ce que ça donne. Allez, j'éteins. Bon, ceci étant, je pourrais la débrancher à l'arrache. Je pense que l'OS avait démarré en fait. Sujet. Ah, quoi? Non, quoique, c'est le. Oui, ça doit être le. Allons-y. Alors, on va remettre. Pas de port série pour voir les messages de boot. Alors, Charconnet, c'est une excellente question. Il y a un port série, mais je pense pas avoir configuré l'OS pour qu'il balance des choses dans le port série. Ce qui est peut-être un peu dommage de ma part. J'aurais peut-être pu prévoir ça avant, effectivement. On va remettre. On va essayer de le mettre dans le bon sens. On va remettre ce port d'alimentation là. Voilà. Et on va brancher les deux molex ensemble. Hop. Si je reviens comme ça, ensuite il me faut lui ici. Et il me faut. Hop, si vous voyez bien. Alors. Alors, une autre option que j'avais envisagée à la place du disque module USB, c'est de mettre un adaptateur IDE vers Compact Flash. C'est une option que je suis toujours. Qui pourrait m'emballer quand même. J'ai ce qu'il faut d'ailleurs, hein. Mais je sais pas si ça prendra pas un peu trop de place dans le. Ok, ça va, ça reste pas trop devant le ventilateur. On va ensuite. Hop, alors du coup, je vais garder le truc pour essayer de voir quelque chose. Hop. Et c'est reparti. Ah, j'entends les disques qui moulinent un peu. Alors. Et j'ai aucune vue. Je peux vous montrer d'ailleurs. Hop. Vous voyez, j'ai ça là. Et donc en dessous, là derrière, j'ai les pings. Et là, j'ai l'outil Cheese sous Linux qui est assez pratique pour ça. Et si jamais je tente de. Si je coupe Cheese et que je reviens sur la partie capture. Alors il m'affiche juste le truc qu'il avait avant en fait. Je pense que je vais faire ça. Je vais du coup me rebrancher sur l'un de mes écrans en direct. Et on va essayer de voir s'il y a un message qui s'affiche. Alors, FCLab, pour l'instant, j'ai pas repris la mesure des dB. Mais on verra déjà si la machine arrive à redémarrer. Ah oui, alors, hop,
Comme ça, vous n'aurez pas ma tête sur deux caméras à la fois. Alors, c'est dommage que la carte mère ne bip pas, clignote pas souvent, il y a des codes d'erreur associés. Bah oui, cher connais. Ou peut-être que la RAM est mal branchée, effectivement. On va peut-être vérifier ça. Alors. Alors. Bon, bah écoute, j'ai pas d'affichage, donc effectivement, on va explorer ces possibilités-là, qui sont que peut-être j'ai mal rebranché la mémoire vive. Alors, pardon, j'ai oublié de changer de... Voilà. Alors, nous disons donc. J'ai déjà enlevé ça. Là, je suis comme ça. Et la carte mère. Et la barrette de RAM surtout. Hop. Je vais laisser les disques durs comme ça, tiens. Allez. Alors, roulement de tambour, est-ce que... Alors, j'ai comme l'impression qu'on a perdu une caméra. Effectivement, on a perdu une caméra. Ah, ça s'affiche! Hop. J'ai un affichage, c'était probablement la... probablement la barrette de RAM. Par contre, je suis un peu embêté. Alors, je suis un peu embêté parce que ma caméra a décidé de faire des siennes. Je suis toujours là. Coucou. Avec la deuxième caméra. Ah, c'est le stream de la loose. C'est le stream de la loose. merci, cher connais. Alors, du coup, je vais revenir sur le bureau. Alors. Il me dit quoi après ça? Ah, il a pas aimé, visiblement. Je commence. Petit coup de gomme blanche sur les pistes de la RAM, ça désoxyde. Ah. Bon, la machine est revenue à un état un peu space. Je vais juste changer la priorité du boot pour pouvoir démarrer sur... pour pouvoir démarrer sur la petite clé USB. Enfin, qui n'en est pas une, mais qui en est une. Alors la question c'est, est-ce que si je rebranche maintenant,
Alors, maintenant, si je retente ma chance, que va-t-il se passer ? Pendant que vous ne voyez rien, je vous promets, il se passe des choses. Déjà, la machine ping. La machine ping. Et est-ce qu'on va voir l'écran ? Non, toujours pas. Pour les gens qui arrivent sur le stream maintenant, sachez que tout est sous contrôle. Vous avez affaire à un professionnel. Oui, 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 oui. Vous avez affaire à un professionnel. Ah, ça y est, on a... Hop. Alors, on parlait de setup tout à l'heure. Hop. Voilà. Non, setup commande notre forme. Hop, c'était btop. Je me suis trompé d'une lettre. Donc, a priori... A priori, on a... on est resté sur les mêmes températures. Et ça, c'est cool. Ça, c'est même très très cool. Enfin, c'est très cool. Disons qu'on est resté sur les mêmes températures, mais sans changer de... comment dire ? En ayant moins de bruit. Alors, est-ce que je peux essayer de récupérer la caméra ? Alors, je vais faire quelques changements, il y a peut-être moyen que la musique se coupe à ce moment-là, mais je vais essayer de faire du mieux que je peux. Et me revoilà. Voilà, voilà. Alors, on va revenir sur, hop, ce mode-là. Alors du coup, bah, le chat s'efface, mais bon, ça c'est un bug connu. Hein. Bref, alors, donc, que je vous montre. Pour le moment, la machine, donc je suis en train de remettre, bon je sais, elle est en train de tourner, c'est peut-être pas très fut-fut, mais voilà. Je remets le petit clapet là-dessus. Donc là, la machine, elle est en état, on va dire, à peu près normal. Ce que je vais faire, c'est relancer l'application. Ok, alors le sonomètre. Donc... quand j'étais juste au niveau du... alors du coup, vous n'avez pas vu avec mes mains. Mais en gros, le téléphone était à peu près là. Au niveau du bas de l'overlay. J'étais à 60 dB tout à l'heure. Là, je suis à 40. Et je pense que 40, c'est à cause des deux disques durs. Et si je me place cette fois-ci au niveau du micro, que j'ai à peu près remis à la même place que tout à l'heure... Je descends à 37. Donc, cette première partie est un succès. Bon, ça a été un peu comique pour l'obtenir. Mais, cette première partie est un succès. Alors, ce qu'on peut peut-être faire, maintenant qu'on a... puis en plus, je sais pas si vous, maintenant, au niveau du son, vous entendez la machine qui tourne ou pas. Parce qu'avant, vous aviez un petit ronronnement. On était à 50 au niveau du micro. Ah ouais, c'est encore mieux, là. Et là, vous entendez rien. C'est génial. C'est génial. Ah, je suis content. Déjà, rien que ça... Rien que ça, c'est fantastique. Et un truc que j'ai envie de faire maintenant, ça va être de tester un truc. Alors, on va lancer STUI. Alors, STUI, c'est assez sympa, si vous ne connaissez pas. C'est un outil qui vient avec, qui est possible d'installer quand on installe StressNG, qui est un outil qui permet de faire justement du stress test de CPU. Et si je fais un history... pipe grep stress, normalement je dois avoir un truc, voilà. Donc je vais lancer cette petite commande là qui va faire chauffer le CPU.
Donc, tiens, je vais même vous la copier. Je peux pas la copier. What? C'est quoi cette blague? Ah, je viens de la... Ah oui, c'est parce que je venais justement de la copier. Hop. Copier, voilà. Et je vais vous la mettre dans le chat si jamais un jour vous avez besoin. Voilà. Je crois que c'est la première fois où je suis content que quelqu'un sur un stream dit « on n'entend rien du tout ». Le PC est silencieux. Et donc, si je lance cette commande... Donc, on va voir, là, à ce niveau-là, au niveau de la partie graphique, on va voir que là, en termes de température, bon, on est toujours sur les mêmes températures que tout à l'heure. Là, on est toujours sur la même fréquence que tout à l'heure, puisque de toute façon, j'ai bloqué la machine à 1600 MHz. Et là, par contre, on voit bien que l'utilisation des 4 threads de la machine, là en haut, on a bien les corps physiques, corps 0 et 1, et là, on a les 4 threads logique de la machine, et on voit qu'ils sont à fond. Et on voit, bon, alors là, en fait, ce qui est un peu embêtant avec STUI, c'est que la température, même s'il la contrôle, vaut mieux regarder là sur la partie summarize. Et on peut, si on le souhaite aussi, regarder ça dans Btop. Et on voit avec Btop que là, par contre, la charge, elle est beaucoup plus conséquente. Mais on est toujours entre 39 et 45 degrés. Donc déjà, la machine, alors qu'elle était plutôt dans les 45-50, elle est descendue. Elle était à 45 et 55. Je crois que c'était 45 pour le CPU et 55 pour le système. Là, déjà, on a perdu 10 degrés. Enfin, non, on a perdu 10 degrés. Ouais, si, c'est ça. Enfin, en tout cas, même si on n'avait rien perdu, rien que le fait de plus rien entendre, c'est en soi un bénéfice. Donc là, c'est plutôt cool. Et puis, on voit bien, en plus, au niveau du truc, là, de Btop, on a bien les quatre threads de StressNG qui bourrinent. En dessous, on a STUI, on a TMUX, on a Btop, voilà. Alors... Castor génial, la différence est nette, j'entendais là plus rien, je suis avec un casque comme... Ok, cool. Et salut à toi d'ailleurs, Castor génial. Et Charconnet, STUI et Btop, je viens de découvrir... Bah écoute, c'est chouette, j'espère que tu t'en serviras. Alors, Fabou, salut à toi. Bah y a pas de problème si tu viens d'arriver, c'est quoi la page de graph? Alors, là l'outil que tu vois à l'écran, c'est Btop. Si je passe sur cet autre écran de TMUX... On est sur STUI, S-TUI, et là, c'est une instance de StressNG qui est en train de bourriner une machine. Et la machine en question, je peux faire un NeoFetch? Ah, j'ai pas installé NeoFetch, peut-être. Sudo apk add NeoFetch. Hop. S-TUI. Non, c'est S-TUI. TUI, comme ça. C'est une sorte de front-end à StressNG, en fait. Et là, donc, on a donc Fabou, un petit atome 330 qui a tendance à cuire assez facilement, qui avait un ventilateur qui faisait un peu beaucoup de bruit. Ce pauvre petit ventilateur comme ça, là. Un petit 4 cm qu'on a remplacé par un Noctua. Et qui, du coup, fait beaucoup moins de bruit. Alors. Ah, si, ça y est, ça monte, là. On est à presque 60. C'est peut-être parce que j'avais un peu le bras dessus. Mais en tout cas, déjà, c'est pas mal. C'est pas mal. Alors, la question que je me donne... La question que je me pose... est-ce que je peux revenir sur la capture ? Non, il m'affiche toujours rien. Bon. Parce que ce que j'aurais aimé, c'est vous remontrer le BIOS et voir si le BIOS m'affichait la ventilation, la vitesse des ventilateurs. Si je refais un sensors detect, si je fais un sudo sensors detect,
Noi 2. Sérieux? Ouais, c'est bien Sensors Detect. Ouais. Bon. Alors, il faut peut-être que je coupe les outils. De toute façon, là, on a compris, hein, la machine... La machine tourne. Ouais, donc tu vois, ça marche bien. Oui, du coup, je voulais refaire un sudo sensors detect. Non, toujours rien. Bon. Ah oui, j'avais lancé Stress Engine. Peut-être qu'il était en train de jouer sur ça. Non, vraiment rien. Ok. Je sais plus comment il a fait pour les obtenir, les trucs. Bon, c'est pas grave. Et là, vu que j'ai coupé les trucs, est-ce que ça redescend ou pas? Bon, déjà sur les cœurs, c'est... Bon, ça, c'était la première étape. Maintenant, la deuxième étape, ça va être changement de pâte thermique. Allez. Sudo power off. Voilà. Hop, on va revenir là. Ah, ça a commencé à s'entendre. Ça a commencé à s'entendre. Alors, Castor Génial, non, il n'y a pas d'IPMI sur cette machine. On est sur un mini PC qui avait vocation à être une machine plutôt multimédia bureautique. Donc, c'est absolument pas un serveur. Et étant donné que c'est une machine avec un Atom 330, une machine qui date de 2008-2009, mettre en place les trucs pour de l'IPMI, c'est peut-être un peu... comment dire? Un peu overkill. Enfin, des fois, j'aime bien l'overkill, hein, mais là, je suis pas sûr que ce soit vraiment utile. Ouais, quand même, ça commence à chauffer. Hein. Ah oui, ça chauffe. Donc, on va remplacer la force de l'habitude, ouais. On va remplacer, je pense, la pâte thermique. C'est nécessaire. Oui, bah, on va encore retirer ça. Voilà. Hop, restez ici les disques durs. Je pense que ça joue aussi hein, les disques durs qui doivent mouliner. L'une des raisons pour lesquelles je garde encore ces disques durs là, c'est que je les ai et que normalement comment dire. Les performances des disques durs me suffiront, vu la machine que c'est. Je suis pas sûr que ce soit forcément intéressant que... Alors, jamais utilisé, mais PKVM semble sympa comme alternative. Alors oui, Charconnet, mais justement, ce que je me dis, c'est qu'aujourd'hui, un Atom 330, ça doit être, si ça se trouve, à peine aussi puissant qu'un Raspberry Pi. Oh, peut-être un peu plus. Et encore. Mais toujours est-il que je sais pas si ça vaut vraiment la peine de se casser la tête sur ce genre de problématique. Vu que c'est une machine, entre guillemets, maintenant, vintage. Enfin, vintage, c'est... Enfin, j'ai même plus envie de dire d'entrée de gamme. Hein, à ce niveau-là, c'est plus... Ah, zut, j'ai oublié de... Enlever celui-là. Hop, déjà. Voilà. Et on va pouvoir retirer. Ouais, ça, c'est chaud au toucher. Je vous promets, c'est chaud au toucher. Hop. Voilà. Alors, non, je sais que je parle pas beaucoup là, mais la raison, c'est que je cherche encore un peu de matériel.
Allez, ça doit pouvoir faire le job au besoin. Où ça? Voilà. Alors, du coup, on va redébrancher cette partie-là. Vu les perfs de la machine, le seul intérêt des SSD serait de descendre encore le volume sonore, mais ça serait un peu overkill. Alors, en fait, sac à poil, c'est aussi, enfin, ça fait partie de ma réflexion. C'est que, en gros, là, tu vois, les disques durs que j'ai qui sont sur la machine, là, c'est des 250 gigas. Tiens, je peux tout prendre. Hop. Et en gros, un SSD de 120 gigas aujourd'hui, c'est à peu près une vingtaine d'euros. Et un SSD de 250, c'est, selon les tarifs, probablement... probablement deux fois plus cher. Donc, sortir 80... parce que forcément, je vais vouloir faire du RAID pour une machine de backup. Vouloir mettre... enfin... Je pense que des 120 gigas, je risquerais de les remplir, vu ce que je veux sauvegarder. Mettre des 250 en SATA, ce serait peut-être un peu cher, en fait. Ce serait plus cher que ce que vaut aujourd'hui la machine, en fait. Déjà, déjà, les... Encore que le ventilateur n'était pas non plus ultra cher hein, en prix. J'en ai eu pourquoi 15 balles de ventilateur. Hop. Voilà. Hop. Allez. Donc maintenant, l'idée c'est comment est-ce que je retire ça? Alors, du coup, je vais enlever la barrette de RAM. Je voulais pas l'enlever tout à l'heure, mais... Mais oui, très, très, très clairement, sac à poil, l'intérêt des SSD, ce serait de descendre encore les décibels, hein, clairement. Alors, pour l'anecdote, donc ça, c'est donc le Shuttle X27D. Shuttle vendait le X27 tout court, qui avait donc un atome 230 au lieu du 330, et qui était a priori complètement fanless. Oui, faut sortir les agrafes, je suis assez d'accord. C'est ce que je me... Ah non. Ah, faut sortir les agrafes. Tu veux dire qu'il faut que j'enlève les... faut que j'enlève les petits arceaux? Parce que autant la partie métallique, là... Ah, j'en ai retiré un. D'accord, ça y est, j'ai retiré le deuxième. Et voilà, voilà ce que ça donne. C'est en fait quand au toucher, quand j'ai retiré le truc, j'avais l'impression de, j'avais l'impression d'avoir, comment dire, ah oui, arceau égale agrafe, ok. J'avais l'impression de, comment dire, de retirer du chewing-gum. Alors celui-ci. Et du coup, ah bah, il s'enlève un peu. Voilà. Ok. Et donc, comme je vous disais, là c'est le chipset et là c'est le CPU. Bon, bah maintenant, il va falloir nettoyer ça. Et j'ai oublié de prendre du... mince. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il n'y aurait pas des mouchoirs en papier? Si, il y a des mouchoirs en papier. Hop. Hop, alors, on va nettoyer d'abord la vieille pâte thermique avec ça.
Et mais ouais, j'ai vraiment l'impression que c'est le moment de s'en mettre plein les doigts, ouais. Mais j'ai vraiment l'impression, genre, que c'était. Enfin, limite même, en fait, je me demande si je pourrais pas l'enlever avec. Avec ça. Parce que ça a l'air d'être du. Ouais, c'est marrant, on dirait. On dirait de la pâte à fixe. Je sais pas si c'est l'âge de la pâte thermique, mais ou du pad thermique, parce que. Mais oui, ça se. Enfin, voilà, hein. C'est assez dingue, hein. Je vais me mettre un petit peu plus là pour que vous voyez quelque chose quand même. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous racontez de beau? C'est le moment de sortir l'acétone. je n'en ai pas. Je n'en ai pas, cher Connais. Quoique. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que de l'alcool et des cotons-tiges, ça pourrait le faire? C'est une bonne question. Pour le moment, j'ai l'impression que ça se barre sans, en fait. Donc on va rester comme ça. Oh, quoique, ce sera peut-être pas mal pour bien nettoyer. Oh bah, il y a de l'alcool et des cotons-tiges qui sont apparus. Je vais juste commencer par enlever ça comme ça. Ce sera déjà pas mal. Et puis ensuite, dissolvant un vernis à ongles sinon. Ouais, effectivement. Mais non, là c'est de l'alcool à 90. Exactement, cher Connais. Merci, madame. Ouais, effectivement, ça colle encore un petit peu sur le sur la puce. Merci la prod. Oui, bah oui, voilà. Mais oui, effectivement, je suis en train de me dire que quand on voudra nettoyer ça, ce sera peut-être pas mal d'avoir. Ah mais j'avais pas fait attention. Salut Dashi. J'avais pas fait gaffe que t'étais dans le coin. J'espère que ça va, que t'as passé un bon week-end. Hein, merci à l'assistant du. Ouais, exactement. Exactement. Merci. Merci à elle. D'ailleurs, c'est grâce à elle, hein, le setup. On s'en est vu pour le setup. Tu lurques d'un œil et d'une oreille. Il n'y a pas de souci, Dashi. Déjà, tu lurques, ce qui fait que ça me fait des vues, donc c'est très gentil à toi. D'ailleurs, l'occasion, en parlant de vues, de vous rappeler l'existence de la chaîne YouTube associée à cette chaîne Twitch. Si vous ne l'avez pas encore follow, je vous invite à aller voir. Hop. Tu comprends pas, la puce est creuse. Alors en fait, ce que j'ai l'impression que c'est deux. C'est les deux. Y a, en fait, les deux dailles sont. Il y a deux dailles en fait. Il y a deux cœurs physiques. Alors, le Pew 3D. D'ailleurs, salut à toi, le Pew. Bienvenue. Alcool ménager à 95. Tu as nettoyé CPU et GPU quand tu as. quand tu as watercoolé ton PC. Puisque je suppose que dans ce contexte, WC veut dire watercooling. Alors, je dois avouer un truc. Le Pew. Je n'ai jamais mis en place de watercooling. Ça m'a toujours un peu refroidi comme technique, si je puis me permettre ce jeu de mots. Parce qu'en fait, l'idée de mettre de l'eau dans un PC. Ah, il n'y a pas de souci, le Pew, je préfère le préciser au cas où. Des fois que certaines personnes n'aient pas l'acronyme. Même si je me doute que, a priori, dans le chat, il ne doit pas y avoir
beaucoup qui ne connaissent pas, mais dans le doute, je préfère préciser. Mais oui, donc c'est une méthode de refroidissement. Ça m'a toujours fait un peu peur. L'idée de mettre, d'avoir de l'eau qui tourne dans le PC. Je reconnais, c'est vrai que nettoyer le PC dans le... ça semblait bizarre. ouais, je crois que je vais continuer avec avec de l'alcool et les cotons-tiges. On va essayer, on va voir ce que ça donne. Hop, nous avons donc de l'alcool à 90. Hop. Et si jamais il y a du dissolvant à ongles, sans acétone par contre. Attention en grattant, des fois il y a les micros, oui, il faut pas les endommager, effectivement. On va essayer de faire attention. Alors déjà, hop, on va nettoyer un petit peu ici. On va essayer de nettoyer un petit peu et que vous voyez bien comment ça se passe. Ouais, ça a l'air de coller encore un peu. Je suis pas convaincu, mais bon. Ouais, c'est un peu radical. Je suis assez d'accord, c'est un peu radical. Encore que, il y avait des gens qui avaient fait des modes PC assez fantastiques. Genre façon aquarium, hein. C'est pas facile à nettoyer, hein. Je vous jure, c'est un cauchemar. Je pense que je vais y aller au mouchoir. Comme toi, l'eau dans le PC, mais surtout la maintenance. Oui, bah. Alors. Est-ce qu'il y a des modos dans le coin? Parce que j'ai comme l'impression qu'il y en a un, il a très envie de se faire modérer en fait. Et vu que je suis un peu occupé. Oh punaise. Ah ça colle. Ça colle, j'ai mis du. Oh j'en ai mis dessus. Oh punaise. Oh le cauchemar. Je vous jure, je sais pas dans quoi je me suis emballé. Embringué, pardon. Pardon, je suis pas sur le. J'étais pas sur la caméra. Je vais essayer d'y retourner avec la petite spatule. Hop. Bon, je vais. Alors, vu que ça me stresse, je vais aller m'occuper de notre. Hop. Alors, on va le report pour spam. Voilà. Et ensuite, next. Et alors, mais qu'est-ce que c'est comme pâte? Bonne question. Voilà. Ah ben merci Xavier pour le ban. Ouais, ça a l'air d'être une pâte à fixe à cuire, un castor génial. Merci merci d'ailleurs Xavier. Pop.
Ouais, et puis du coup, alors avec le mouchoir, ça a mis un peu de papier dessus. Ah là là, je vous jure. Je pensais pas que j'aurais des soucis 5 minutes. Bah justement, le Pew, on a fait un peu de stress test sur la machine. Je pense que ça a déjà dû aider. Mais je pensais pas qu'il fallait que je fasse un stress test aussi long, tu vois. Ah punaise, je vous jure. Non mais regardez-moi ça. Putain, j'ai l'impression là que je l'étale plus qu'autre chose. On va remettre un peu d'alcool. Tu as un hit gun si jamais. Bah écoute, ça se tente. Ça se tente, hein, le hit gun. Mais alors là, moi, j'en ai pas. Je vais peut-être essayer de tapoter en fait, pour essayer d'avoir de mettre de l'alcool. Ah là là. Ouais, mais là on voit bien, hein, du coup la puce est pas creuse, c'est qu'on a bien deux corps physiques en fait. Est-ce que j'ai pas une autre spatule aussi? Hop, voilà, j'en ai une autre qui est un petit peu plus fine. Hop là. Alcool isopropylique, c'est mieux. Oui, c'est mieux, mais j'en ai pas sous la main. Faudrait que je pense un jour à en acheter, mais je n'y pense jamais. Et d'ailleurs, salut à toi, Nonag Fraud. C'est que le temps passe, hein, il est déjà 19h37. Alors. On va y arriver, on va y arriver, je vous dis. On est optimiste. Hein? On est optimiste. On y croit. On y croit. Je vais réutiliser une autre. Hop. Hop. Je vais aussi en rajouter ici. Désolé, j'ai pas l'habitude de cette, j'ai pas l'habitude de faire des streams comme ça en fait. Donc, si jamais vous voyez pas bien, si jamais c'est trop bas ou c'est trop haut, faut le dire dans le chat, hein.
Ça a l'air déjà de, hop, de partir un peu. Oh punaise. Non, en fait, surtout, j'ai l'impression d'en étaler partout. C'est dingue. C'est assez dingue. Ah là là. Après, vous me direz si elle reste sur les côtés tant qu'elle est virée, tant qu'elle a dégagé du dédail. Ah, oh, mais ça colle encore. Ah, c'est un cauchemar ce pad thermique en fait. Je vais lâcher ça un petit instant. Je vais essayer de m'occuper une vieille brosse à dents sans dentifrice. Sinon, ouais, effectivement, ça peut être une technique. Parce que là, il y a carrément tout un pad autour. Je vais peut-être vouloir essayer de garder ce pad là, non? Ou je le dégage, à votre avis? Qu'est-ce que. Allez, déjà on va essayer de virer. Déjà on va virer ça. Alors, c'est pas juste pour contenir la pâte du débordement. Probable, c'est pour ça que je voudrais pas le virer en fait. Voilà, déjà, j'en ai enlevé. Ah là là. Ouais, c'est franchement. C'est pas évident. Mais on va s'en sortir. Alors, je doute de cette fonctionnalité vu que tu dois twister le heatsink pour le mettre. Et effectivement. Oui, cher Conan, hein, c'est un enfer. Castor Génial, tu doutes? Ouais, bon, écoute, on va bien voir. Là, par contre, celui-ci. Ah, celui-ci, par contre, il y a carrément un. Ouais, ça, par contre, je vais le laisser, hein. Le gros pad noir. Mais oui, effectivement, l'idée de la brosse à dents est pas bête, hein, de l'idée de Xavier. Je verrai, selon les résultats qu'on a ce soir, peut-être que je referai un autre repaste, plus long, mais du coup, sans doute pas en live. À moins que vous soyez vraiment intéressé de me voir galérer là-dessus. Mais bon, on parle quand même d'un Atom 330, donc c'est pas non plus. C'est pas comme si j'allais overclocker un Xeon ou un Core i9, quoi. Bon, en tout cas, ça s'est enlevé un peu plus facilement sur les. Ben, alors. Là, Xavier, sur les. Sur les. Comment dire? Sur les radiateurs, ça va. Sur les radiateurs, j'ai pas le sentiment d'avoir galéré. Sur le processeur, par contre, j'ai vraiment l'impression de m'en voir. Hein.
je fasse gaffe parce qu'en plus j'enlève du coussin. Ce serait dommage. Mais ouais, effectivement, pour bien nettoyer le truc, parce que ça colle un peu. Hein. Alors, ce que je voulais dire, c'est que si fin, l'utilité du machin me paraît pas critique, du coup, si ça gêne, je te dégagerai. Ah! Bon, écoute, pour le moment, on va laisser. Ouais, non, ça colle, c'est... C'est limite j'ai envie d'arroser le truc d'alcool et d'y aller à la brosse à dents quoi mais bon il est déjà ah oui, il est déjà 45. Allez bon on va essayer de mettre de la pâte thermique, on va voir ce que ça donne parce que sinon je vais en avoir pour des plombes et le but c'est pas de le but c'est pas de me regarder pendant 3 heures galérer à enlever de la. Pff, même si, franchement, je suis désolé, hein, je vais peut-être changer d'avis, mais. Vous me direz, il y en a déjà suffisamment. Ce que je vais faire, donc, qu'est-ce que j'ai fait de la seringue de pâte thermique? Elle est passée où? J'ai tellement mis de trucs sur ce bureau, je sais plus. Ah, hop! Elle était cachée. Elle était cachée. Alors. Je vous explique. Je sais que j'avais pris une photo avec ça. Voilà, de la cryonaute. Mais j'avais pris aussi la photo avec ça, de l'Arctic Cooling MX2. Je vais d'abord commencer avec la MX2, parce que j'ai pas envie de gâcher de la cryonaute si sur le résultat actuel. Donc, on pourra toujours envisager, si jamais ça vous tente, de faire un épisode 2. Avec potentiellement, si jamais j'arrive à mieux nettoyer le biniou, bah alors tu t'ouvres toi? J'arrive plus à ouvrir la seringue, c'est dingue ça. Tu sais, c'est les petits trucs qui cassent les pieds. J'avais pas une pince quelque part, moi. Alors, est-ce que avec une pince, une petite pince, non, ça va pas le faire. Si, voilà. Hop, voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais mettre juste un tout petit, comment dire, un tout petit grain de riz là. Voilà. Parce que je pense que. Alors, idéalement, je me dis qu'il faudrait peut-être que je l'étale. Alors, du coup, vous n'avez pas vu grand-chose. Hop, voilà. Pour l'instant, j'ai mis ça. Et alors, sur les deux autres. Bah, sur les deux autres. De toute façon, on va pas se mentir. Hein. Le truc, il va falloir le tourner. Hop. Eh oh, refais-le. Voilà. Ça va tourner. Donc, à mon avis, ça va en mettre partout. Donc je vais en mettre vraiment. Je vais peut-être d'abord l'étaler. Je vais en mettre un tout petit peu. Je vais en mettre un tout petit peu, puis je vais vouloir l'étaler un peu. Voilà. L'idée, ce sera de faire en sorte que il y en ait quand même. Et je vais l'étaler, bah, je pense que je vais utiliser les spatules, enfin les spatules, les petits trucs en plastique là. Pop, 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 pop. Ben, merci d'être passé en tout cas Xavier, je te dis à bientôt, et puis si jamais tu veux voir le résultat, il y aura le replay. Pop, 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 pom. Tiens d'ailleurs ça me fait penser que je vous avais parlé de la chaîne YouTube associée à la...
à la, comment dire, à cette chaîne Twitch, mais je ne vous ai pas indiqué l'adresse. Et comme en ce moment j'ai l'impression que mes petites commandes ne fonctionnent pas sur sur Twitch, hop, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous envoyer ça tout de suite. Hop, et coller, parce que je l'avais pas sous la main. Voilà. Alors. Donc, l'idée, c'était d'essayer de d'étaler un peu ça. Parce que c'est quand même le chipset qui prend le plus hein, niveau chaleur. Hop, voilà, ça c'est fait. Ensuite, passons sur les deux cœurs de notre processeur Atom 330. Voilà. On va voir ce que ça donne. Je suis pas ultra convaincu. Je vous avoue, je suis pas ultra convaincu. Donc c'est celui-ci qui vient comme ça. Et lui, il vient comme ça. Hein, si je me rappelle bien, ils viennent comme ça. Donc, on va commencer avec lui. Alors... je l'amène comme ça. Voilà. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des guides visuels. Je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a des carrés autour. Donc on a une petite idée de ce à quoi s'attendre. Voilà. Donc déjà, lui, c'est fait. Il bouge plus. Ensuite, lui... hop. Hop. Alors. Voilà. Ça, c'est fait. Ensuite. Et ben ensuite, il va falloir remettre le ventilateur. Hop. On revient comme ça. Toi, c'est... ouais, c'est celui-là. Alors, allez, reviens par là, toi, la petite vis. Tac. Est-ce que, par hasard, ça rentre bien sur le... sur le bon... non, t'es trop haut. Voilà, là par contre, si ça veut bien, alors désolé, la vue est pas ouf, hein. Hop, voilà, allez, ah zut, faut éviter que les autres, voilà, en fait, ceux du bas, je les vise pas très fort. Ça n'a pas l'air d'être
évident. Et j'essaie de tenir tout ça. Allez. À votre avis, combien on va réussir à gagner en température? Ou est-ce que certains sont carrément pessimistes et pensent que du coup la machine va être plus chaude? Degrés max. Après c'est ouais, c'est vrai que j'ai mis de l'Arctic MX2, c'est pas la meilleure pâte. Voilà. Là, c'est fixé. Ça tient bien. On va remettre ça ici. Et du coup, on va pouvoir passer à la partie remontage. Alors, où est-ce que je vais poser tout ça, moi? J'ai rarement eu mon bureau autant en bazar. La température de départ, le Pew, on était, je crois, dans les 55 degrés. Alors, mince. J'allais oublier. On va commencer par ça. La barrette de RAM. Voilà. On va mettre le... Effectivement, ouais, je veux pas gagner beaucoup. Hop. Non, quoique je la mettrai après, parce que ça va me gêner, je pense. Mais là, déjà, la barrette de RAM, elle est bien mise. Et vous-même, vous savez... Qu'est-ce qu'on a eu comme blague sur sur la barrette de RAM? Hop, allez. Donc, on revient la mettre. Hop, dans ce sens-là. Si ça veut bien. Hop, voilà. Donc, je vais faire comme tout à l'heure, je pense. Je vais remettre juste deux. Alors, c'est quoi ce module-là sans vis? Ce module sans vis. Ah, tu veux dire ça? Ça, Castor Génial, hein, le petit module là. Ça, c'est un Discon module. C'est un Discon module. C'est une. Grossièrement, c'est une clé USB. Ça vient se brancher directement sur un. Sur un. Comment dire? Sur les headers USB. Bah alors, tu te. Mais alors? Qu'est-ce qui se passe? Je sais plus visser moi maintenant? Mais allez, reste là toi. Je suis en train de galérer à mettre une vis, je vous jure. Ça devrait passer. Alors, est-ce qu'elle veut bien? Voilà. Voilà, tout de suite. C'est mieux. Bah, je t'en prie. Je t'en prie, Castor Génial. Alors, si tu en cherches sur...
par exemple, sur des sites d'achat de matériel d'occasion. Alors, celui-ci. Hop, pardon, excusez-moi. Celui-ci, il vient là. Tu vas te rendre compte que par rapport aux capacités, c'est cher pour ce que c'est. Moi, il se trouve que j'ai eu la chance de le récupérer. Après, ça fait. Celui-là, il fait 2 gigaoctets. Je sais pas si on va bien voir à la caméra. Si elle veut bien faire le point. Non, non, c'est trop près pour elle et c'est trop petit. Donc c'est un module qui fait 2 gigaoctets. Donc là-dessus, moi j'ai installé l'OS qui est Alpine Linux. Après, sinon, dans la catégorie... Ah mince, Charconnet, gros orage qui arrive. Bah écoute, j'espère que ça va bien se passer. J'espère que t'as toute la protection qu'il faut contre les orages. Mais oui, donc les modules comme ça, les Discord modules, c'est un peu cher pour ce que c'est par rapport à une clé USB bateau. Hein. Et tu as aussi des Discord modules qui viennent se brancher directement sur les ports IDE, qui sont un petit peu plus abordables, je crois. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Oui, je voulais mettre justement le Discord module. L'alimentation, enfin le bouton, pardon, le front panel, c'est fait. L'alimentation, c'est fait. La barrette de RAM, c'est fait. Le Discord module, c'est fait. Le ventilateur, très important, c'est fait. Il reste à rajouter les disques durs. Hop. Là, alors les disques durs, ça devrait aller. Ouf, tu me rassures, Charconnet. Alors, dans le bon sens, oh, mais mince. Là. Alors, celui-ci, ça c'est la data. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, il est là-bas. Hop, j'avais oublié encore le petit adaptateur Molex vers Serialata, parce que sinon il y aura un disque de moins à brancher. Ce serait un peu dommage. Allez, on va essayer de se dépêcher de finir ça. Hop, ensuite, hop, il va venir comme ça. Alors, on va se mettre, alors, déjà l'USB, hop, toi tu reviens là-dedans, voilà. Et ensuite, eh ben, il faut remettre les ports Serialata. Il faut remettre donc ces ports Serialata là. Et je crois que ce sera tout en fait. Alors. Est-ce que ça va passer? Hop. Voilà. Je vais la garder comme ça pour voir si le ventilateur démarre toujours. Mais hop, je crois que on n'est pas loin. De toute façon, il me reste les deux vis de la carte mère qu'il faudra que je remette après. Ça, c'est les deux vis du boîtier. Et donc, nous disons alors. L'écran, enfin pour ce que ça sert, hein, on va quand même tenter l'écran. Le réseau, on sait jamais, ça pourrait peut-être servir. Le clavier, alors le clavier, il va peut-être falloir que je libère ce qu'il y a dessus, parce que sinon ça va appuyer pour rien. Voilà.
Ensuite, donc le clavier. Reviens voir par là le clavier. Hop. Et enfin, l'alimentation. L'alimentation. Alors, déjà ça démarre. Enfin, ça démarre. Je veux dire, le ventilateur tourne. Est-ce que par chance, on aurait une vue sur la carte de capture? Non, toujours rien. Toujours rien. Je vais tenter ma chance, je vais essayer de réinitialiser la partie capture sur OBS. Donc ça va devenir tout noir, pas d'inquiétude, je suis encore dans le coin. Et me revoici avec la carte de capture, mais le chat a été effacé. Donc a priori, ah oui, elle aime. C'est bizarre, j'avais changé la pile de BIOS avant le live. Mais la machine me fait encore des blagounettes comme ça. Donc c'est pas très grave, on va faire un petit supr pour aller dans le setup. Et on va refaire les paramétrages de base du BIOS. Alors je vais pas le mettre à l'heure tout de suite parce que de toute façon la machine je vais encore la... Juste pour le principe au cas où... Voilà, all but keyboard. Ensuite, CPU, hard disk, voilà. Hop, moi ce que je veux c'est... Le USB, juste pour le principe, ça, voilà, et on va pouvoir regarder ça, voilà, donc là, le ventilateur tourne à même pas, à peine 2200 tours minute, donc ça c'est très cool, et... CPU température 43 degrés, système température 39, Ouais, on n'a pas... c'est pas significatif, hein. C'est pas significatif. Je sais pas si, en les laissant encore tourner un peu... Alors, je suis curieux, si jamais le fan 2, je le mets à full speed, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il monte? Ouais, il monte à 3000 tours. Est-ce qu'il va atteindre les 5000? Alors ce qu'on va faire, c'est que je vais reprendre l'outil de sonomètre. Alors sachant que là, en plus, la machine est encore ouverte. On est à même pas 40 décibels, je crois. On est à peu près à 40 décibels. Allez, 42 décibels. Donc ça, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et si jamais je la referme... Bon, le CPU monte quand même gentiment vers les 47, voire 50, à mon avis, il va pas tarder à les atteindre. Hein. Bon, on va remettre le truc en ultra low. Voilà. Oh là! Oh, qu'est-ce qui t'arrive, toi? T'aurais passé ta date de péremption, c'est ça? Pauvre machine. Non, attends, je crois que c'est le câble. C'est plus la partie HDMI. Non. Non. Eh ben, on va éteindre la machine et on va la rallumer. Ouais, comme tu dis, Charconnet, ouch. Je sais pas si c'est une bonne idée que je m'en serve de machine de sauvegarde finalement.
Allez, démarre. Démarre, mon grand. Donc c'est magnifique. Allez, retourne dans le BIOS. CPU has been changed. Nope. Ok, le clavier répond plus. Bon, bah, on va la débrancher. Voilà. Et on va la rebrancher. Ah! Ça y est, j'ai compris. En fait, quand on débranche la machine électriquement, ça coupe le signal côté, côté carte d'acquisition. Là, vous, vous avez plus rien. Moi non plus, d'ailleurs. Mais, en fait... Et j'ai pas moyen de... d'aller directement dans la source sans, sans switcher de scène. C'est moche. Hein. C'est moche. Alors du coup, ça va être à nouveau tout noir. Mais promis, je me dépêche. Allez, capture. Alors, me revoilà. À nouveau avec la carte de capture. Voilà, je vais pouvoir rentrer dans le BIOS. Et là, je vais juste lui dire, ici, je voudrais plutôt aller ici et lui dire, là, ça tu remontes. Voilà, donc ça redémarre, normalement. Voilà. Allez, on y croit. On est optimiste, hein. Allez, ça démarre tranquillement. Allez, maintenant il y a du réseau. Est-ce que j'ai un SSH? Pas encore. Ah, il est en train de s'occuper de Chrony pour le moment. Allez. Ok, c'est bon. On va pouvoir refaire un petit Emux. Hop, voilà. Et on va pouvoir passer sur hop, cette vue. Donc, Btop. 27 degrés, 39. C'est plutôt rassurant, c'est plutôt pas mal. C'est pas pire qu'avant, mais c'est à peu près dans les mêmes ordres de grandeur. On va relancer STUI. Voilà. Et puis, on va refaire un Stress NG. Hein. Voilà. C'est reparti, tout de suite. Alors ce que je me dis peut-être, c'est que peut-être que ce que je ferais, c'est que je mettrais comment dire, peut-être que je mettrais l'OS directement sur les disques internes. Si jamais j'ai les petits soucis comme ça de machine qu'il faut débrancher, rebrancher de temps en temps. Mais sur le principe, ça m'embêterait un peu quoi. Et donc, une autre possibilité que j'ai... Alors, est-ce que je les ai dans le coin? Alors, j'ai dû les ranger ailleurs, ceux avec l'adaptateur. Mais donc, il existe des adaptateurs pour ces cartes compact flash, pour les mettre sur un port IDE. Alors, ces adaptateurs sont actifs. Généralement, il faut une alimentation. Alors, pas forcément une Molex, mais l'alimentation floppy. Les tout petits, les quatre petites broches. L'inconvénient, c'est que il faut un câble IDE.
Et que du coup ça prend de la place. C'est un peu dommage, surtout dans cette machine qui fait, je crois que l'idée c'était, elle fait 3 litres de contenance, entre guillemets. Donc voili voilou, on est à 45 degrés, ouais, on n'a pas gagné grand chose en fait, hein. C'est vraiment le ventilateur qui a permis de changer des choses. Oh, merci Manon! Merci Manon pour le resub! Oh là là, ça fait 9 mois que tu subs, Manon! T'es génial! T'es génial! En plus, t'arrives plutôt pour la fin. À moins que tu étais en train de lurker. En tout cas, j'espère que tu vas bien, Manon. Nous, on a essayé de faire baisser un petit peu la température sur cette petite machine. J'espère que tu vas bien. On va remontrer, hop, la petite machine en question. La voilà. Alors, elle est tellement brillante que voilà, vous voyez la caméra qui est là. Hop. Si je la bouge. Hop. Voilà. VR Nils dans Man versus Command Line. Ok, très bien. Bon, et bah écoutez. La bonne nouvelle, c'est que la machine, je l'ai pas flinguée. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'elle fait moins de bruit. Beaucoup moins de bruit. Ton nouveau rythme empêche de suivre les lives comme avant. Bah écoute, c'est pas grave, de toute façon, il y a les replays, Manon, si jamais tu veux profiter. Mais là, quelque part, je te donne un peu, la fin. C'est que, on a voulu faire taire une machine et on a à peu près réussi. On a à peu près réussi. On va du coup hop revenir comme ça. Bon, et ben je suis assez content. Pour plusieurs choses. D'abord parce que cette machine fait beaucoup moins de bruit. Et ça c'est cool. Toujours fidèle, bah ouais, mais c'est trop chouette. Merci encore à toi Manon. Honnêtement c'est chouette de voir les habitués revenir même si c'est juste pour dire coucou en fin de live. Ça fait toujours super plaisir. Alors. Je suis super content. Je suis super content. Pourquoi ? D'abord parce que le projet de ce soir a réussi. Je suis super content parce que le projet de ce soir a réussi en un live. Et ça, c'est cool. Ça, c'est très cool. Je suis super content parce que, on voulait baisser le volume sur la machine. C'est fait. La température n'a pas augmenté. C'est plutôt bon signe. On a quand même eu quelques aventures. Qui veut un abo? Oh, ça c'est gentil, Manon. Je sais pas, il y a des nouveaux dans le coin. Hein. Si tu regardes dans les nouveaux follow, je pense que tu vas trouver des gens. Hein. Donc, c'est assez chouette. Et du coup, on va pouvoir... je vais peut-être pouvoir m'amuser, je sais pas, moi, mettre 2-3 trucs sur la machine. Je sais pas si je vais continuer à faire des lives avec cette machine-là. Elle a pas l'air non plus d'une fiabilité à toute épreuve. Ce serait dommage qu'elle se mette à planter, à ne plus redémarrer en plein milieu d'un live. Mais toujours est-il que c'est plutôt pas mal. Tu offres un abo, mais faut se réveiller. Je sais pas, moi, il y avait Charconnet, il y avait Le Pew, je sais pas s'ils sont abo, eux. Prime Gaming, a priori. Toujours est-il que donc... Ah, FC Lab qui prend. C'est gentil, FC Lab. Perso, rien qu'en désactivant le Turbo Boost, tu as gagné en température. Et alors là, de toute façon, la machine, elle n'a pas vraiment de turbo boost. Mais effectivement, je pourrais peut-être essayer de baisser la température, puisque maintenant, il y a un ventilateur qui a le PWM, donc dont la vitesse peut varier en fonction des besoins. Donc dans ce cas-là, on va pouvoir faire quelque chose. Ah, merci beaucoup, Manon, d'avoir offert un gift sub à FC Lab. C'est génial, merci. Et merci FC Lab du coup d'être abonné maintenant. Alors, pour la suite, je sais pas encore trop ce que je vais faire les dimanches prochains. Je vais avoir la semaine pour y réfléchir. Est-ce qu'on continuera avec cette machine? Est-ce qu'on fera d'autres choses? Je sais que normalement,
dans quelques temps, il y aura de toute façon l'upgrade du Home Lab. Ça va être un stream beaucoup plus conséquent. Merci Manon d'avoir offert un sub à Charconnet. Merci beaucoup. Et donc Charconnet FC Lab, bienvenue chez les abonnés. Vous allez voir, c'est sympa. Toujours est-il que le jeudi, parce que je stream donc deux fois par semaine, je stream donc les dimanches de 18h à 20h, mais aussi les jeudis de 20h à 22h, et on continuera nos aventures avec Ansible. Et donc, les dimanches, normalement, un prochain week-end, peut-être que je déplacerai un samedi, peut-être que je ferai plutôt le dimanche, il y aura l'upgrade du Home Lab qui va arriver. Je pense qu'il faut encore que je me procure quelques pièces. Il faut que je refasse le tour de ce que j'ai besoin et de voir pour vous faire un stream assez sympa qui sera pas du coup directement sur le bureau comme ça, mais un peu plus. On va ramener une table et puis on va essayer de mettre un peu plus de trucs. De toute façon, le Home Lab, c'est une tour complète, alors forcément, il y a besoin d'un peu plus de place. Donc, si entre les streams, vous voulez profiter, eh bien, sachez que donc, en allant sur ma page perso anotherhomepage.org, vous allez retrouver les liens vers notamment ma présence sur les réseaux sociaux, donc vous avez de toute façon ici les adresses aussi. Vous allez aussi pouvoir aller sur la chaîne YouTube et follow la chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir si vous avez déjà cliqué sur le bouton follow pour cette chaîne Twitch. Ce que vous avez été d'ailleurs en masse à faire aujourd'hui et je vous en remercie. Ça soutient la chaîne, c'est génial, ça me fait super plaisir. Il n'y a pas de souci Alain B, c'est pas grave. T'as le replay de toute façon pendant deux semaines, hein, tu vas pouvoir profiter. Après, dans quelques temps, il y aura la partie YouTube. Voili, voilou. Il me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une excellente soirée, une bonne fin de week-end. Est-ce qu'on se ferait pas un petit raid avant de se quitter? Est-ce qu'il y a une chaîne à raider? Alors je sais que pour pas mal d'entre vous, dans 40 minutes, vous allez passer sur probablement chez Yorzian. Tiens d'ailleurs, j'en profite pour signaler, effectivement, il y a les emotes hein, pour les subs. Est-ce que vous auriez quelqu'un à me suggérer pour les raids? Parce que moi, là, j'ai personne, en tout cas en francophone, j'ai personne dans mes follow. Et après, bon, je me doute que dans... Bah ouais, mais c'est dans 40 minutes, Yorzian. On va lui faire un shootout quand même. Tiens, j'ai pas fait de shootout ce soir. Allez, SO Yorzian. Hop. Si ça passe. Non, ça passe pas. Oh, bah zut alors. Ah, c'est point d'exclamation shootout peut-être? Non. SO. Mais eux, ça marche plus leur truc chez Twitch? Pop, 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 pom. Manon qui a pris de l'avance sur le subgift sur Alain. Bon, bah écoutez, de toute façon, on va faire autrement. Hop. Twitch.tv. Tac, tac. Et on va faire Y, hop, Yorzian, voilà. Je vais vous mettre le lien. Normalement, lui, il commence à 21h, mais vous pourrez aller lui faire un petit coucou de ma part, lui dire que c'est moi qui vous envoie. Je vous fais plein de bises, je vous dis à bientôt, donc peut-être jeudi, peut-être dimanche prochain, selon ce qui vous arrange, voire même les deux. Et puis, Rogan, tu nous proposes d'aller voir Ocean Empires. Eh ben, allez. Allez, on lance le live, et puis moi je vous souhaite une excellente soirée et une bonne fin de week-end. Je vais mettre le truc d'au revoir, le truc d'offline, mais vous pouvez rester là le temps du raid. Allez, ciao ciao !